20 mars, au centre du tapis, un petit temps pour se recentrer, se connecter au souffle. Et lâche les bras. Inspire, monte les mains. Entrelace les doigts, mais pointe les index et les pouces vers le ciel. On est dans un étirement. On passe en équilibre sur une jambe. L'autre, celle qui est en l'air, reste tendue. Et on va aller faire comme une lune avec son corps. Donc je penche du côté de la jambe qui est en l'air. Grand inspire. Grand expire. Et je pousse les hanches de l'autre côté. Encore. Grand inspire. Et elle expire. Je reviens au centre. Je pose le pied au sol. Et je vais orienter les orteils vers l'extérieur, l'en dehors. Je relâche les bras. Et je pars en torsion en pliant les genoux. Posture de la déesse en torsion. Grand inspire. Grand expire. Encore. Inspire. Expire. Défais la torsion. Ramène les pieds parallèles. Puis monte les mains au ciel. On entrelace les doigts en faisant attention de changer le croisement des doigts. Tout à l'heure, ça a été fait sans réfléchir. C'était agréable. Et ici, il faut réfléchir et c'est un petit peu moins agréable comme croisement. On vient en équilibre, la jambe, le talon qui pousse quelque chose sur le côté, je me grandis, inspire, et je penche à l'expire, en poussant les hanches à l'opposé. Grand inspire toujours, et expire. Je redresse, et je pose les pieds. J'oriente en dehors, je lâche les bras, je plie les genoux et je pars en torsion. Grand inspire, grand expire. Encore inspire. Et à l'expire, je laisse revenir le corps face, je ramène les pieds sous mes hanches.